The Island, Mystery et Night Revenge. Du coup, je pense qu'on va alterner. Pour pas se taper deux caca poupes d'affinée. Donc je pense qu'on va commencer tout de suite avec Poop Killer 2, je pense que c'est une valeur sûre. Ouais, même pas 45 ans, c'est parce qu'il a, hein, je pense, tous ceux qui ont connu la série avec les clubs Dorothée, hein, c'est-à-dire des trentenaires, hein, principalement. Hein. Ça fait mal au cul, quoi. Ah, apparemment, il va y avoir aussi de la weed. Il y a un point vraiment très positif dans cette collection, c'est celui qui fait la musique. Elle est plutôt bonne en général. Elle est plutôt banger, comme ils disent les jeunes. Là. Ah! Petite musique Reggae Libre Aura. Ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'ils s'en foutent. Eh putain, on en fait pousser partout des plantes. C'est pour mon usage personnel. Donc y a pas de soucis. Attends, mais le mec, même dans le couloir, il y en a. Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais genre tour. Il y a des plantes d'intérieur, c'est des plantes à canne des hein. Bon, mec, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes là? Il regarde Urgence. Putain, mais c'est une vraie série, là. C'est un vrai programme TV, là. Voilà. Mec, ça frappe. Ah, c'est la tête de Jason, ça. Enfin, de la mère à Jason, ça. Je reconnais. Surtout, te bouge pas, toi. Hein. FBI, open up. Qu'est-ce qui se passe? Dylan. Eh, hey, bro. Je veux 5 grammes de pure power. Écoute, petit sachet, là. Voilà. Hop, on encaisse. Clac. Pour l'instant, c'est bien parti. Il y en a même dans la cuisine, what the fuck. Les mecs, ils ont rien d'arrangé, ils ont de la weed. L'enfer. Ah. Marco. Hey Billy! Et si on se fumait un petit peu de weed? Vas-y, bro. Jamal est déjà super stone. J'ai besoin d'utiliser tes toilettes, mec. C'est urgent. Ah, te fais chier, Marco. Tu veux toujours chier à la maison, quoi. Relax, bro. Je veux juste pisser. Je suis sûr qu'il mito. Regardez, là, il va nous niquer, là. C'est un berbe qui vient casser mes toilettes. Encore une fois, j'ai le trauma, là. Putain, mais qu'est-ce qu'il... Là, il mito, il a chier... Putain, il a chier partout. Motherfucker. T'as juste dit que t'allais chier, enfin que t'allais pisser. Putain, mais il a chié dans le couloir, là. What the fuck, Marco? Ah! Ah! Tout va bien. Vous voyez, c'est un petit peu d'intimité, quand même. Putain, comment faire? Croyez que Steam, il a vu que j'ai montré un gag ou pas? C'est bon, t'as fini? Foiré. Je fais de briser en deux. Mais le mec il fait ça. Alors qu'il a dit qu'il le ferait pas. Et il a pas tiré à chasse en plus. Putain, et on a pas de chasse d'eau quoi. On essaie de qu'il déconne. Ah, il s'installe en plus. Eh, salopard là. Marco, t'as dit que t'as épicé. T'as ruiné mes toilettes. Ah, désolé, bro. J'avais besoin de poser ma pêche. J'y reporte dans le doute. Ha 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 ha. T'es vraiment un fils de la plage, Marco.
À chaque fois, tu bouches les toilettes. Ouais, on a besoin de faire sortir à chaque fois la merde de là. Le poop killer est dehors aussi. Poop killer. Très drôle, Billy. C'est vrai, Marco, il existe. Il tue les gens qui ne tirent pas la chasse d'eau après avoir pris. fait leurs besoins. Franchement, c'est des meilleures storylines. C'est quand même, rien que cette storyline met à genoux 50% de chez Marvel. Donc, faites pas les fous. Il paraît qu'il porte des toilettes sur sa tête et il envoie des gros caca dans la face des gens. Ah, c'est bon. T'essaies de me faire peur. Allez, on va s'occuper de cette merde. Moi, j'ai rien à faire là-dedans, moi. Ah, je vais prendre mon caca et le mettre dans un seau, c'est bon. Et tu le foutras dehors. Mais non, mais c'est toi qui veux le foutre dehors, ouais? Ok, bro. Tu récupères cette merde. Et tu la fous dehors. Ok? Compris? Par contre, tu te mets au boulot quand tu veux? Hein? Putain. Ça me rappelle les nuls. Où le mec, il fait... Vous savez, j'ai trouvé une solution pour pas boucher mes toilettes. Et qui sort de chez lui. Il prend le journal de. Il se dirige vers chez son voisin. Il prend son journal sur le palier. Il sonne à la porte. Et après, le mec, il rentre chez lui. Putain, mais c'est vrai qu'il y a le fer en plus. Bordel de merde. Dégasse. Il va dans ses chiottes. Et il fait, je vais chier chez mon voisin. Voilà. Morale de l'histoire. Dégueulasse. Dégueulasse. Attends, y'a pas une merde sur le chemin là? Tiens, bâtard. Tu vas me débarrasser ça là. Sorry about that, Billy. Je vais virer cette merde. Je reviens dans une minute. Oula. Avec son becquet. Oui. Non, c'est ouvert, mec. Hey, Big Billy. Je veux 3 grappes de weed. Ça va être 3 grammes. Non, mais j'ai pas lui donné 5 grammes. Putain, mais je lui donne 5 grammes, ça n'a aucun sens. Bah, tiens. On a un petit problème, je crois, pour jauger le nombre de grammes. Et vu comment ça fume là-dedans, je pense que. Je suis pas étonné. Ouais, ça, c'est des images du premier, non? Ah, peut-être du premier. Vendredi 13. J'avoue que fumer de la weed. Comme un cochon en regardant des films d'horreur, je pense qu'il y a moyen de bader ou de faire des tripes de ouf. Bah, je disais que c'était mieux que la moitié des scénarios de Marvel, donc pour l'instant, on est dans une bonne moyenne de scénarios. Tout va bien. Je revends de la weed. En gros, il y a notre poteau Marco qui est venu en prétextant qu'il voulait juste pisser. Il a bouché les toilettes. Et on a dû ramasser sa merde et lui donner dans un seau pour qu'il la vire d'ici. Pour l'instant, on est safe. Ouais, c'est Marco Polo. Oh, il y a une photo. C'est une photo de qui ça? What? Une photo du créateur. Si vous voulez le remercier. Hein. Ouah, t'as une sale gueule, toi. Will, eh hey, bro! T'aurais un gramme. Putain, t'as vraiment une sale gueule. T'es un zombie ou quoi, mec? Ok, mec, il y a une gueule de. Il y a une gueule de mort-vivant, la vache. T'es flippant, lui, hein. Salut Xéante, comment ça va? Marco Popo, c'est ça. Là, ce qui est marrant, c'est que je peux ouvrir en avance. Hop. Et le mec, il frappe quand même à la porte. Corpse, bombe, kiff. Eh,
Hey Big Billy, je veux 5 grammes de weed. Ah, les mecs, ils ont tous des t-shirts avec de la weed. C'est pas du tout discret. Depuis le début, les mecs, ils me demandent des grammes différents de weed. Je leur donne tous le même sachet. Tout va bien. Hop, je mets la phase B. Ah! 1 hour later. Une heure plus tard. TP qui me met le stress pour rien. Eh, Marco est pas revenu. Assis-toi, Billy. Ah, vas-y, smoke-en une. Et regarde le film. Ah, j'ai besoin de vendre la weed, bro. Marco n'est pas revenu. Relax, bro. Il doit être en train de bouffer. Ce gros connard. N'arrête pas de bouffer, putain, c'est cool les potes. Hein. J'aime scare title screen, ça. Oh, je bouge pas les toilettes. Ça veut dire que t'avais peut-être l'intention de le faire. Attention, je te surveille. Sérieusement, bro. Et si le poop killer l'avait rattrapé? Il y a pas de poop killer, bro. C'est juste une légende pour les enfants. Ouais. C'est pas ce que dit Poop Killer 1. Ah, un client. Oh merde, c'est des flics. Mec, c'est des flics. Range la weed, arrête. Éteins-moi ça. Éteins la musique. Concentre-toi. Sur ta version des faits. Bonjour. Polizai, je voudrais 2 grammes de weed. Ah bah oui, monsieur l'agent, y'a pas de problème. Tenez, un petit supplément. Hop. C'est bon. Ça va, c'était notre meilleur client. Fausse alerte. Tout va bien. Ah, je pense que je vais fumer un pétard là. Je suis trop nerveux là. Petit pétard. Oula. Wow. On est parti dans un autre univers là. Allô? Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Marco qui est revenu? Oh! Shit! Le poop killer est vrai! Je dois prévenir Jamal! Jamal! T'as peur, bro? Relaxe-toi! Prends de la weed! Marco est mort! Il est dans la salle de bain! Et le poop killer est vrai! C'est le poop verse! Tais-toi-moi, bro! Je suis sérieux, bro! Il est mort! Viens voir! Ok, on y va, mec! Vas-y en premier! Mon premier, c'est pas moi qui ai mis du caca partout sur les mains. Bah regarde! Bah je rentre pas, hein. Bah je rentre pas, hein. T'as les mouches et tout, moi ça me rend fou. What the fuck, bro? Alors c'est vrai. Le tueur, il vient pour nous. Ouais, bah alors tu sais quoi, moi je me casse. Déjà comment il est rentré? Oh! Non! Il y aura le petit ralenti. Slow motion again. Tout va bien. J'espère que vous appréciez. Se jeter de caca.
Wow, Matrix! Il y a un dénouement surprenant. Putain, il nous a fait une scoliose là. Bon, Jabba, il méritait aussi un petit peu. Motherfucker! Putain, il l'a one shot! Non, il est pas encore mort. Il s'étouffe dans le caca. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis avec ma weed, putain, au mec. Je voudrais 5 grammes. Bah, moi, je voudrais qu'on me foute la paix là. On sait tous à me casser les burnes. Allez hop. Wow, il se quoi? Ouais, du caca partout. No. Ça va. Il a pas chié dans les pots de vide. Ça va. Quoi que ça fait un bon engrais, je pense. Ouais, je sens que je vais me faire agresser par le... Fermeture de caca, non? Tu n'as pas tiré la chasse d'eau. Et maintenant, tu vas piller. Attaquer avec le pouvoir de la marijuana. Ah bah ouais, grave. Tain, tain. Duel sommet. Marijuana contre caca. Je vous ai dit que c'était mieux que Marvel. J'invoque le pouvoir de la marijuana. On devient Green Lantern. What? Il a les yeux, rouges. What the fuck? Et là, on s'installe et on fume un pétard tous les deux. Je pense que c'est la meilleure conclusion. Avec l'odorama. Ah putain, ancien. Ah voilà! Avec le cadavre de Marco. Je valide. Meilleure fin. Ah, j'ai vu qu'il y avait un Steven, hein. Qui adepte sur le jeu. Je veux rien dire, mais bon. C'est le scénario de The Forest, attention. Le désert égale pas de tueur en série. Ah! Il peut y avoir les tueurs en série de noix de coco, je sais pas. Alors si c'est ça l'île déserte, ça a l'air d'être une île déserte, pas trop déserte, il y a quand même des baraquements quand même. Ou c'est moi qui ai construit la maison. Ah, 6 août 45, c'est un rapport avec la Deuxième Guerre mondiale ou... je crois que c'est brésilien, Trash Collection. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire un truc je ne sais pas. Qui sortait ah, un hôtel. Mais attends, mais on n'est pas seul. C'est pas une île déserte. Zombie Hitler. Je sais qu'il y en a un qui a l'air gaulerie. Avec des zombies SS, je crois, ou je sais plus. En tout cas, c'était des soldats de la... du Troisième Reich qui et du coup les je crois que les protagonistes ils font du ski, un truc comme ça, sans montagne. Des zombies qui sortent de la glace, ils ont été glacés pour X raisons, je ne sais pas, et ils sont toujours vivants et c'est des zombies. Dead Snow, c'est ça, ouais, c'est le plus connu que je connais. Horreur débile avec des soldats du Troisième Reich. Alors, j'ai une question. Imaginez, vous arrivez sur... Enfin, vous êtes demandé un Airbnb
sur cette île. Parce que c'est écrit hôtel, hein. Et là, vous faites, ouais, ça a l'air cool, il y a une petite table et tout, on nous sert d'alcool et tout, vous arrivez, hop, et ça, c'est les chambres. Tu fais, ah, en fait, on dort par terre, en fait. Pas cher, pas cher, ouais. Alors, peut-être que je me trompe, c'est juste... C'est juste le c'est juste le bar. Peut-être que c'est moi qui me trompe. Mais là, pour l'instant, je me sens... Je me sens arnaqué, là. Ah non, attendez, regardez. C'était mauvaise langue, les petites baraques. Par contre, c'est quoi, ça? C'est parce que c'est en 45 que c'est en noir et blanc, ou... J'essaie de comprendre le... l'idée artistique derrière. Oh, il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour. Vous pouvez répondre? Merde, attendez, je suis bloqué. Je peux pas y aller. Ça commence mal. Hop. C'est effondré là. Non. Ah, peut-être par là. Il y a des bruits chelous quand même. Pas très rassuré. Cabine 1. Ah, c'est ça chez moi. Putain. C'est ma cabine. Alors, on va décorer avec un trou et trois bidons. Yes. J'ai hâte de dormir ici. Alors, deuxième bar au cas où. En fait, il y a plus de bars que d'appart. C'est un concept. Dormir ici? Non, pourquoi faire? Il y a des bruits chelous. Je sais pas ce que c'est censé être. Bon, finalement, techniquement, elle est un peu désertée, son île, j'avoue. Techniquement, elle était un petit peu désertée. Par contre, là, pour l'instant, la musique, on lui a dit, tu joues une note. Électricité, là, par exemple. T'es sûr, hein? Une seule note. T'inquiète. La dièse, et hop. Bien trouver une activité à faire ici quand même. Oh, oh putain, c'est quoi cette merde? Oh, il y avait un human centipede, sans déconner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est une caméra de surveillance, on est con? Il y a un carré bizarre dans l'arbre. On se croirait dans Severance, pour ceux qui connaissent. C'est pas une note qui joue en continu quand t'es tout seul sur une île déserte. Non, pas trop. Après, on sait pas l'or, hein. Peut-être que le mec, il est avec son phonographe de 45 et il est en train de faire tourner un disque, là. Il est sous le bras, là. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Wow, wow, wow. Ok, plus de retour possible, yes. Mais là, il y a un objet. Je peux pas le décrocher. Non. Chaque personne est unique. Choisissez le destin qui est en accord avec vous-même. Comme par exemple le bilboquet. Le bilboquet ne regarde pas votre sexe. Ce n'est qu'un bilboquet. Winkly. Tu m'as fait peur, Stargator. GG. Je sais pas pourquoi mes alertes. Tout marche sauf le raid. Faudra que je revérifie. Mais... Je peux pas le faire tomber, ça? Y'a pas une merde qui m'attend par terre là?
Putain, je suis en train de faire une connerie, je crois. Vous avez un goa-ould, monsieur. Ah, mince. J'ai dû l'attraper ça à la piscine. On a vu un goa-ould, Stargator. Mais un gros goa-ould, hein, pour le coup. Oh, bonjour. Surtout, répondez pas, hein. Ça commence à devenir anxiogène, là, hein, les gens qui répondent pas. Oh. C'est gentil. Non. What? Qu'est-ce que c'est? C'était un cauchemar? Bah, on entend respirer, non? Forbidden sirène. Ouais. C'est pas l'alarme de ces lentilles, en effet. C'est vrai que c'était pas l'alarme de ces lentilles. Elle est pas comme ça, exactement, aussi, celle de... Elle ressemble, mais elle est pas comme ça, celle de... Forbidden sirène. Forbidden sirène que je n'ai toujours pas fini. J'ai un let's play, je sais pas, de 15 heures de jeu. Je suis au 3 quarts, mais franchement... je le finirai un jour, mais... c'est un putain de challenge, hein, quand même, hein. C'est un jeu que j'aime énormément, mais extrêmement dur à finir. Même avec un guide. Hein. C'est quand même le jeu de l'embrouille. Mais quel bois? De l'autre côté? Comment il sait qu'il y a du bois? Might and Magic 3. Waouh! Wow. Il y a combien? Il y a 1000 heures, non? Je sais pas si les gardes... Ils gardent tout? Toutes ces VOD? Il y en a pour 1000 heures, non? Ah. Paf. Qu'une idée, j'ai menti. Quoi? 0,1%. Il y a des gens, mais ils veulent pas m'accueillir, là. Je vais me plaindre à la direction. Hein. On est vraiment mal accueilli ici. Bah, alors, du coup, apparemment, il y a du bois à retirer. Donc, il faudrait trouver un outil, je suppose. Un outil de qualité. C'est dommage, ça devenait intéressant et d'un seul coup ça retombe. La tension est retombée. Pour l'instant, le seul vrai jumpscare c'est Stargator. Là, je reviens à ma baraque. Mais de toute façon, on peut sauter, mais en fait, ça sert à rien. Ça aussi, c'est une tare dans ce genre de jeu. En fait, il te met la fonctionnalité de sauter. Mais en fait, on peut rien faire avec. Je vois pas l'intérêt de l'activer. Ah, mais c'est sans déconner, on voit rien. Je sais même pas si... Miller quand t'essayes pas de quoi? Sans casser le jeu. Peur de quoi ils ont mis? Pour refaire Yassian? Je sais pas. S'il y a pas un outil que j'ai pas vu, mais. Comment tu veux trouver un truc dans ce merdier où on voit rien? Tu vas pas me filer un truc là? Au lieu de me regarder? Ah, vous êtes plusieurs apparemment. C'est une réunion de famille. Hop là. Bah, je sais pas. Sinon, je vous fais chier avec les 1000 combinaisons. Hein. Je fais un petit force brute là.
J'avais vu 0-1 sur une cabine, mais je pense pas que ce soit ça. Je pense qu'il faut d'abord que je trouve une hache ou un truc comme ça, ou un pied de biche, mais... pour ouvrir cette porte, là. Ah. Bonjour. Ah, 729. C'était le petit écran que j'avais vu dans l'arbre tout à l'heure. Ok. C'est parti, 729. C'était pas là. Any de qui? Quoi? Ah, c'est pas le bon. Il y avait un autre padlock. Ah ouais. C'est pas fini cette connerie. Un coup de boule dans le cadenas. Utilise ta tête. Ça, c'est dans Hercule, ça. Le dessin animé. Utilise ta tête, paf, coup de boule. Ça déconne, ce dessin animé, je crois l'avoir vu, mais en morceaux, pas en entier comme ça. Il y a plein de Disney que j'ai pas vu finalement. Ah, petite crowbar là. Petite crowbar. De quoi, de la scène dans Hercule? Sinon, il faudrait utiliser sa tête comme Hercule Poirot. C'est un petit peu mieux. Ce serait moins douloureux en tout cas. Putain, mais le bateau est dans l'arbre. Ou l'arbre, il a poussé après dans le bateau. C'est-à-dire que l'arbre, il est là depuis 100 ans, quoi. Tout va bien. Enfin, le bateau, il est là depuis 100 ans. Ah, il fallait aller voir les planches. Comment ça, là? Mais, tu te fous de ma gueule, là? Hein? Ah, remove. Hein? C'est fini? Oh là là, faites attention là où vous faites des torticolis là. Faut pas faire ça les gens. Ah. 15 et 20 ans. Ah, j'ai des spécialistes en arbres. J'ai des spécialistes en séquoia du Brésil. Oui, ça pousse en moins de temps. J'ai 10 ans comme ça. Bon. Pour la déconne. C'était pas fermé ça? Non, je me trompe. Je pense que je rouille en arrière. Ok, sans l'a ouvert, ok. Le problème c'est que le deuxième cadenas, je peux pas le forcer. Puis on va revenir là. Voilà, tout simplement. En plus, toutes les bières, c'est plus que des cadavres. Il n'y a plus de bière. Ils ont tout bu. Et ils me narguent en les laissant comme ça sur les tables. Vraiment très mal accueilli ici, hein. J'arrête pas de le rater le... Wow, popo, j'allais dire, j'arrête pas de le rater le Human Centipede. Bah là, on vient de le voir. Night. Day. What the fuck? Il vient de changer vraiment jour-nuit. Death. Life. Faut avoir la bonne combinaison de mots. Ah, attendez. On a trouvé deux mots différents. Est-ce qu'il y en a un troisième? Non. Du coup, il est dans la merde. Il faut que je tourne des bouts. Il se passe des choses. Ah. Oula. The true became a lie. Day after night.
The water turned into blood, life has turned to death, love has turned to pain. Donc la vérité est devenue un mensonge, le jour est devenu la nuit. Du coup, moi j'ai remis. Parce que là c'est le jour qui devient nuit et la vie. Attends, me dis pas qu'il faut que je trouve 5 morceaux. Sinon je suis dans la merde. On veut Poop Killer 3. Ouais, bah t'inquiète. Bientôt. Bientôt. Alors déjà on va vérifier. Ah ouais. Putain, il va y en avoir plein. Alors le truc c'est que je sais pas. Ouais, je sais pas s'il faut que je mette Lie, Night, Blood, Death, Pain. On va essayer déjà de mettre les trucs sympathiques. Love. Moi je suis positif. Je suis un gars positif. Day. Water. Ok. Donc un dernier. Bon, en gros, de toute façon, faut coller le mur. Tchouf. Ok. Donc là, on a vu les 5. Ça ne souffle pas, ok. Bon, bah, du coup, on va mettre l'inverse. Def. Lie. Blood. Night. Je pensais qu'en fait, en mettant Night Day, ça allait changer jour-nuit. Ça allait vraiment influencer. Pauvre de moi. Je pensais que le jeu serait plus intelligent que ça. Ça serait plus subtil. Bah, il manque quoi? J'en ai raté un, c'est ça. Light, Night, Blood. Ah, Blood. Non, Blood, j'ai mis. Death Pain. Faudrait pas un petit peu de ma gueule, Lolo? Bah, réponds! Pain? Night? Blood? What the fuck? Lie. Ah, ça en fait 4. Ah si, c'est bon. Écoutez, je veux pas savoir. Tremblement de terre. Oula. Il y a des objets qui volaient dans le ciel là. Je suis revenu là. Ah, ça s'est ouvert apparemment. Je suis un doute, non? Attends, je suis revenu en arrière. Je suis perdu. Changer quoi là? What? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Allô? C'est une bombe nucléaire? Raccoon City? Fallout. Le 6 août et 9 août 1945, les États-Unis ont utilisé des bombes pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Elles ont été lâchées sur des villes du Japon, d'Hiroshima et de Nagasaki. Les bombes
ont explosé à 500 mètres de hauteur et créé un mini soleil. Ce qui a lancé un flash à travers toute la ville et une vague d'énergie. Et la chaleur était responsable de la plupart de la destruction matérielle de la ville d'Hiroshima. En plus, le résultat, celle-là a résulté de 80 000 victimes. 80 000 victimes. Immédiatement. Est-ce que vous sentez les... non, ce sont les, pardon, nos ressentiments et nos condoléances à toutes les familles des victimes. Putain, c'est un jeu engagé. Wouh, discothèque. Et le mec fait la musique, franchement, c'est cool. Je le redis, hein. C'est le meilleur point de cette collection. Ok, mode Mr. Inky. Ah, ça peut peut-être se faire. Donc on tient un bar, ok. Avec discothèque. Oh, il nous fait une petite danse, là. Oh, il nous a fait une petite jig, là. Ah, lui, il est bon, lui. Ah, il nous fait le truc courir, là. Gangnam Style. Pop, 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 Gangnam Style. Hop, 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 Gangnam Style. je voudrais... Un quoi? Un hell drink ou un well drink? Bon, je sais pas ce qu'il veut, mais je vais lui donner un... I need a cup. Ah, ils sont les cups. Sous les cups. Ils sont là? Je sais pas moi ce qu'il veut, il m'a dit donne-moi un truc. Mais je sais pas moi. Ah merde! Un hell drink. Vodka, gin, liqueur, tequila. Putain, mais t'es mort avec ça. Par contre, c'est qui le connard qui a écrit ça? Donc ça, c'est... Ah, c'est pas celui de la mort, parce que je trouve que celui-là, il ressemble beaucoup à celui de la mort. Hein. Il y a 4 alcools différents. Déjà, du gin, tu mélanges pas à d'autres alcools, quoi. What the fuck? T'es un tequila et... c'est quoi, c'est liqueur? Tiens. Tiens, t'es mort. Je vais repérer les lieux. Il y a vraiment des chiottes dans cet épisode-là, parce que c'est le Pop Killer, hein, je vous rappelle. Ah, ils sont là-bas, les chiottes. Un TGV fruité, quoi. Salsa, tequila, corazon, cerveza, muy bueno. What? C'est quoi cette ref? C'est quoi ces liens frauduleux? Écoutez, on va attendre des clients là. Je peux pas danser avec eux, attends. Oh! Ça scénarise bien ces petites. Ces petits trucs là. C'est le tube non officiel de 2014, ouais. Pour l'instant, les chiottes sont clean, hein, écoutez. Attends les clients. La réserve. Merde. Belle réserve de... boîte en bois. Si je coupe la musique, il s'arrête ou... Ah, je peux pas la couper. Il a tout utilisé, tout ce qui fait un bon tube de l'été pour faire un tube de l'été. Donc, bah, les paroles espagnoles, évidemment. Sauf qu'il parle pas espagnol. D'accord. Classique.
On vend des snacks apparemment. Des petites bouteilles aussi. Ça c'est un délire parce que les mecs... À quel moment tu m'as distributeur alors que tu... T'as un bar. Bon, j'avoue que j'ai qu'un bar à alcool, donc je comprends. Et c'est moi ou les villes les remplies là? C'est dégueulasse. Tu voyais ça? Ah. Peut-être que je nettoie le verre. Voilà, pour que le prochain client apparaisse. Sinon ça va vous? Ah bah j'ai fait allemand LV3 donc j'ai pas pris espagnol. Donc je sais dire Ich kann nicht Deutsch sprechen, c'est-à-dire je ne sais pas parler allemand. Ou bien Ich bin fix und fertig. Ce qui veut dire je suis fatigué. Je sais pas pourquoi j'ai retenu ça. Divine drink. Ok. Je ne peux pas, je dois me reconstruire. Je devrais apprendre ça là en allemand, c'est trop drôle. Tequila, rhum, liqueur énergétique. Tequila. Non putain, attends. Tequila. Bon, il y avait liqueur. Cœur. Énergie. Rhum, c'est ça? J'ai faux pif le dernier. Ah, c'était drôle. Ah! Le raid! Le raid! Merci Fanto pour le raid, comment ça va? Attends, je vais voir si je peux pas le déclencher. Je comprends pas Streamlabs. Je vais en profiter pour vérifier pourquoi il y a pas. Oh non. Ces gens pratiquent le Viet Vo Dao. Le quoi? Le Viet Vo Dao, le plus noble des arts martiaux. Eh oui, le plus noble des arts martiaux. Bah attends, mais. Mais attendez. Merci Frododo. Do. Frododo Do. Oui. Bonjour Yopadato. Comment ça va? Le deuxième monsieur Y. Parce que c'est moi le premier monsieur Y. Attention. Faites pas les fous. Comment vous allez, monsieur, deuxième monsieur Y? Juste quand j'arrive, il se barre l'Alsacien. Ouais. On a chaud. J'avoue, t'es, il est quelle heure chez toi là? J'essaie de relancer le raid. Pas l'air de marcher. Merde. Non, je veux pas de ta merde là. Excusez-moi. Je parle à Windows. Je suis n'importe quoi. 38. Wow. Après, toi, t'es en ville toi. Enfin, t'es en grande ville. Attendez, je vérifie. Pourquoi il se lance pas? Casse-couille. Si je fais ça. Je comprends pas pourquoi le raid se lance pas. Ça rend ouf. Merci Yuichi pour le raid. Je comprends pas pourquoi mon truc de raid ne marche pas. Je vais le refaire. Mais... Voilà. Salut Julian, je veux... Quoi? Mec, c'est lisible ta merde. Tu veux quoi? Un dead drink. Ok. Lui il veut mourir. C'est parti. Énergétique, vodka, rhum, liqueur. Liqueur, rhum. Non, j'ai fait la merde. Ça? Ouais, je suis un gars, c'est un peu violent. J'espère que tu peux te refroidir comme tu peux. J'avoue que là, la semaine dernière. J'avais une grosse pastèque, ça m'a bien aidé. Hein. Grosse pastèque. Mais la clim au boulot, putain, l'angoisse quand même. La clim, ça peut être vite l'enfer.
9h30. Ah, du soir? Non, du matin, toi. Non, du matin. Bah, tu vois, finalement, on a que 6 heures de décalage. Ça va? Tu vois, avec la distance avec Shanghai, j'aurais dit plus. Hein. Stan, il veut un hell drink. Un hell drink. Vodka, gin, liqueur, tequila. C'est pas le matin, là? Non. Chez moi, c'est toujours le soir. C'est vrai que vous m'entendrez jamais dire bonjour. Alors, est-ce que ça va être notre client Pooper? Ah, regardez-le là, putain. Quelle danse incroyable. Matin, c'est jusqu'à 14h. C'est quoi ce jeu? Ah, t'es pas prêt, y'a pas d'atout. Tu vas voir. Bien le bonsoir, mon ami. Est-ce que je peux utiliser aux toilettes, s'il vous plaît? Bonsoir, monsieur. Bien sûr. Faites que... comme vous voulez, n'oubliez pas de tirer chez vous. Hein? Je vous surveille. Est-ce que je peux le stalker? Mais retirez votre pantalon, monsieur. C'est indécent. Tout va bien. J'aurais dit que c'est la porte ouverte. C'est un grand jeu. C'est bien, Foiros. Ah, écoute, ça va. Tiens, pardon, ta gueule. Et même pas, tu prends un drink? Et ah. My God. What a silence, what? What an horrible smell. Ah. Et mec, y a pas tiré à chasse d'eau. Oh mon Dieu. C'est rempli de merde. Ah ouais, les mecs ils sont cassés comme ça. Ok, bah ouais, bah bonne ambiance hein. Ah, le client. Oui, c'est un grand jeu. A divine drink. Et je sais, mais attends, je vois. Tequila, rhum, énergétique, liqueur. Attends, je fais de la merde. Liquette, tequila, rhum, c'est ça? Tequila, rhum. Tiens. Kevin, monsieur Inky, je dirais. Bon, bah, je vais fermer, hein. On peut pas remettre l'ambiance, là. C'est bien, hein. Ça, l'ambiance, d'un seul coup, là, hein, je trouve. C'est un son de nage, le son des sectes. Ouais. C'est encore le morillon. Là. Bonjour mon ami. J'ai besoin d'utiliser ta salle de bain en urgence pour tes toilettes. Et j'ai juste besoin de pisser. Pisser. Je le savais que t'allais chier. Ah, s'il te plaît mec. Je vais me chier dessus. Je suis désolé, bro.
La salle de... Enfin, les toilettes sont fermées. Motherfucker! Le poop killer, il va t'attraper. What? Bâtard! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais... What the fuck? Mais what? Ah, je suis sûr que ça sert à rien à n'importe quel barman. Je me casse. J'abandonne mon abandon de poste. C'est sûr que c'est arrivé à n'importe quel barman de la nuit, ça. Qu'un mec se chie dessus. Putain, mais... Je peux même pas nettoyer. J'ai rien pour nettoyer, c'est l'enfer. J'ai pas un c'est pas un désodorisant, moi. Putain, mais c'est l'enfer. Tout va bien. J'ai passé une soirée magique. Fais-moi l'amour de toute ton âme. C'est impossible, je dois me reconstruire. Ouais, là, je vais avoir besoin de me reconstruire bien. Je me cache? T'es foutu, mec. Poop killer, il va venir te chercher. Ouais. Ouais, je suis dans la merde, là. Je vais pas le ramasser, là, et le virer, là. Genre, c'est pas moi. C'est l'enfer. Une petite tension là. Pont du PQ et toilette. Je voudrais bien, mais ça marche pas. Y'a rien. Y'a même pas de PQ dans ces chiottes. Au secours! Ah! Non. Ah non. Je panique là. Ah, je me casse dans un coin. Oui, on va dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a saucé les toilettes, donc... on est dans la merde. Là, je me sens moins sale, là, sous l'eau de pluie polluée. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je crois pas que j'ai les moyens de nettoyer ça, là, dans le jeu. Attends de se faire surprendre là par le poop killer. C'était moi ça. Je vous propose alors d'enregistrer votre meilleur P et de me l'envoyer. De me l'envoyer au MP. On fera un concours là. Ah, je peux rien faire. Hein. Ce suspense là. Bon, sinon vous, ça va? Non, je crois pas. Je peux rien faire là. Bon, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'interactivité dans ces petits jeux. Donc, après, ouais, c'est possible que. Ah, ça aurait pu être le cas. C'est possible qu'il suffit d'attendre.
qu'il y ait le trigger là. Faut que je marche dedans. Ça floque dans Poop Killer. Bah, je sais pas trop, parce que des fois, il y a des jeux où je devais attendre. Il y avait des triggers un peu obscurs. Pour la suite de l'histoire. Bah, ce serait de souvent que ça finisse comme ça. Rien dans ce placard, là. OB. Dans cette histoire-là, on peut pas sauter. Parce qu'il y a d'autres histoires où on pouvait sauter. Ah, si! Excusez-moi. Shovel! Je vais shovel. Take the shit! Paf! Merde. Non? Genre derrière? Take the shit! Take the food! Ça me rappelle. Napoléon Dynamite, hein, pour ceux qui connaissent. Putain, mais je le fous! Ne répondez pas. C'était rhétorique. Bah, et vas-y, what? Il faut que je récupère aussi les autres merdes. C'est encore pire. Oh! Shit! Le Poop Killer, il est déjà là. Il faut que j'appelle la police. Ah oui, il a pris cher. Police station, qu'est-ce qui se passe? Bonsoir, officier. Il y a un assassin qui s'est tué. Et il a déjà tué un client. Dites-moi où vous êtes et je vais envoyer une voiture tout de suite. Je tiens le Absolutely 80s Bar. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Attendez que la police arrive. Ok. Tout va bien. Il y a déjà une première victime. Vite! Je vais me cacher là, attends. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas! Arme-toi de l'appel, j'avoue que pas une mauvaise idée, mais. Vraiment, je sens que je vais me faire choper. Ah, j'ai vu le saving! Non! Je l'ai vu le saving! Oh my god! Je vais me cacher! Franchement, à quel moment, quand t'es poursuivi par un tueur en série, tu te caches dans le placard? Je suis pas là. Tiens, moi j'aurais pris tellement la peine. Un tueur en chérie, pas mal. 10 points pour Gryffondor. J'ai eu pas un peu de weed. C'est une référence à l'épisode précédent. Je prends une arme et je me bats, j'avoue. Je prends une chaise. La meilleure arme, là, c'est la chaise. Chaise en bois, là. La chaise en bois fait en un seul morceau. Petit coup de chaise en bois, là. Dans ces chiottes, là. Bon, la police! Eh, hey, bon garçon, avec ce fou, tu peux sortir de là? C'est la police. Polizai. Oh! Tire! Ah, c'est moi ça? Ah, la gueule que j'ai. Slow motion, baby. Laval, c'est un suppositoire. Wow! Le méthane, ça a tout fait sauter. Ok. Ça a pas très bien marché.
Il est en réserve, quoi. C'est pas le célèbre désodorisant, ça, pour le combattre. Non. Tu n'as pas tiré la chasse d'eau, Robert. Tu vas manger de la merde. Alors, appeler les victimes du Poop Killer. Ah. Alors, je vais choisir. L'attaquer avec le pouvoir de l'alcool. Appeler les... Summon les victimes. Ou se battre au point. C'est vous qui choisissez. Deux. On a un deux pour l'instant. Pouvoir de l'alcool. Pour l'instant, il y a un partout. Est-ce qu'il y en a un qui va choisir le 3? Le 3, ça a l'air d'être le moins intéressant, en vrai. Pouvoir de l'alcool. C'est vrai qu'on avait utilisé le pouvoir de la weed dans le premier épisode. Enfin, le deuxième épisode, excusez-moi. Poop killer. Bon, bah alors, le pouvoir de l'alcool. Allez. T'es qui, là? Oh, dieu de l'alcool. Donne-moi tes pouvoirs. Putain, c'est... ça n'a aucun sens. Ça a pas marché. Deg la weed, ça avait marché. Peut-être le pouvoir d'alcool, il aurait dû lui envoyer sa bouteille d'alcool dans la gueule. It was a dark and rainy night. The killer decided to break into the house of a lonely and defenseless woman. Pourquoi elle se touche? J'essaie de comprendre. Police quickly arrived at the scene, and the killer, who now had a large cut on his face, was taken into custody. Years went by, and he went mad in prison, keeping himself alive for only one reason: revenge. D'accord. Donc c'est le retour du tueur en série. 20 ans plus tard, le tueur a quitté la prison, est sorti de prison, et maintenant il veut se venger sur Samantha. Elle s'est préparée pour ce jour et il va falloir se défendre de l'assassin à tout prix. Notre but est de garder la maison fermée. Si une vitre est brisée, vous allez devoir la fixer. Ok. Et ça, j'espère que je serai à la hauteur. Aujourd'hui, c'est le jour de sa sortie. Je suis sûr qu'il n'est pas loin. Donc c'est la même maison, j'ai l'impression. Ah non, peut-être pas. C'est la même maison, en fait, non. Peut-être pas la même maison que l'autre histoire. On voit des éléments identiques, mais qui ressemblent. Parce qu'on avait une histoire comme ça avec un enfant seul à la maison. Parce que sa mère travaille la nuit. Déjà, elle a pas déménagé avec courageuse. J'avoue que quand tu te fais agresser dans ton sanctuaire, c'est-à-dire chez soi, je suis prêt pour la vue de ce salaud. Je suis prêt à t'accueillir, hein, mon salaud. C'est vrai que après, t'as du mal à rester chez toi, quoi. Il y a le trop.
trauma, quoi. Minuit. Donc c'est un jeu de bricoleur, apparemment. On va voir. Ah, mais attends, mais... Ah, il y a des planches, ok. Bah, derrière la télé, on met pas les planches. Je suis prêt avec mes planches. Je suis prêt à couler. Je sais pas si... Ah bah voilà. Il est là, il est là, il est là. Petit bâtard. Mais il peut pas... Il peut pas casser les planches, je suis promis quand même. J'y pensais, mais... Sérieux? Attends, j'ai l'impression qu'il est cassé... Non? Non? Non! Ah, ça va, il... Il a pas trop la tête... Il l'aurait fistolé. Putain. Oui, c'était rapide. J'ai bien relancé, là, attendez. Ok. Sinon, on peut faire bad ending, hein. Moi, ça me va. Hein. Est-ce que ça vous va, le bad ending? Oh, essayer de faire un peu mieux, quand même. Mais je sais pas où il a ouvert, en fait. Je vais rester au rez-de-chaussée pour l'instant. Franchement, le deuxième endroit, je sais pas. Je sais pas ce qu'il a cassé. Petit bâtard. Tu finis pas ce jeu, tu dois faire toutes les fins de Poop 3. Je sais pas si j'aurai la patience. Bah là, c'est où? Apparemment. Je vais rester au rez-de-chaussée pour l'instant. Putain, mais il casse les couilles là. Ce serait pas mal d'appeler la police aussi. Oh, ouais. Le mec pas casse-couilles quoi. Une heure du matin. Attends, faut tenir jusqu'à 6h là? C'est Until Dawn? Ouh. Non, mais attends, s'il accélère comme ça, on va pas tenir. Un peu tendu quand même. Putain. Tu vas me les rembourser les planches là. Hein. Attends, non, mais il a cassé une autre fenêtre là. Putain. Je sais pas, je l'ai entendu en 3 dimensions là, j'ai pas compris. Je crois que son plaisir est juste de casser des morceaux de bois. Merde. Bah yes, ça devient mieux en mieux. J'avoue qu'il casse couille. Tu vas les rembourser les planches à le roi Merlin là. J'ai envie de me gratter là. Merde. J'ai pas le temps de me gratter. Où ça, où ça? J'ai pas le temps de me gratter la barbe. Le mec, c'est... En fait, sa vengeance était sur les fenêtres en fait. Il aime pas les fenêtres. Il a fouillé les fenêtres. C'est bon? On peut discuter? Je
Je crois qu'il est en train de se fatiguer. J'espère que j'ai ramassé le flingue automatiquement vu que ça m'a rechargé assez. Merde, un canapé! Ah merde, ah non, je crois qu'il y a un truc écrit à l'intérieur. Ça fait 4 heures qu'il fait ça le type, ouais. Il faut une pause là. 3h du mat, putain! À l'enfer. À la fin, il y a le prix. Il y a la facture à la fin. Comptez combien de fois j'ai réparé. Ça n'a aucun sens. Mais merde, je viens de la réparer. Casse-couille. C'est le pire tueur en série vivante. Il vient déjà de tuer 40 fenêtres là. Ah, ce qui me fait rigoler, c'est qu'à chaque fois, on entend des bruits de verre, mais en fait, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de verre. On va plutôt l'entendre en train de casser les planches, quoi. Allez là! Ah, je sens que c'est jusqu'à 6h du mat, on va s'emmerder. Jusqu'au bout de la connerie, je m'en fous. 4 heures. Oui. Ça va être chiant. C'est quoi là? Ces jeux sont tellement nuls comparé aux autres jeux du jeu. C'est ça que t'as dit? Parce que j'arrive pas à lire en même temps. Non mais celui-là par exemple il est pas intéressant. Il y a d'histoires plus intéressantes. Après, c'est sur la dizaine d'histoires. Pas de gameplay. Slash histoire. Je crois que les plus intéressants pour l'instant, c'était Mold. Genre la moisissure, que j'aime bien. Parce que ça me rappelle Creepshow. Et celui avec le phare, parce que j'aime bien. Le scénario où t'es isolé sur un phare. Comme The Lighthouse de 2018 ou un truc comme ça. De 2018-2019. Qui est très récent. The Lighthouse. Avec Dafoe et Robert Pattinson.
J'aime bien dire comme ça parce que ça me rappelle un détournement de Harry Potter. Eh oui, parce que Pattinson était dans Harry Potter. Eh oui, ma gueule. Ouais, c'est dans le 4, c'est la coupe du phénix, là. La coupe de feu. C'est la coupe de feu. Non! Oh, vas-y, te faire foutre. Ah, je pouvais changer le style. Voilà. Non, mais jouez bien, Robert Pattinson. Vous êtes mesquin, monsieur Girassou. Et bah, c'était le dernier jeu. Ouais, j'espère que vous avez apprécié. J'aurai pas le dernier trophée, j'en ai rien à foutre.